Salut YouTube et Twitch, qu'est là ? On est là, ça fait déjà 40 minutes qu'on est là, qu'on a discuté, qu'on s'est mis à l'aise. Et toi, est-ce que tu as une baguette auprès de toi, YouTube ? On a besoin de savoir. Je sais vraiment pas quoi faire. Alors, on part en mode... ouais, random. D'ailleurs, j'avoue, vous aviez bien apprécié quand on avait fait un petit peu n'importe quoi, là, ouais, les parties à thème. Je sais que vous allez commencer à m'en redemander régulièrement. Mais non, je vais pas en faire tous les jours des parties à thème où je vais être en mode insupportable ou quoi que ce soit. Ce sera juste de temps ça. Une fois tous les 803 mois environ, d'accord? On se dit une fois tous les 803 mois, ça me semble pas mal. Bref. Parce que si je le faisais tout le temps, on finirait par se lasser trop vite. Eh oui. Du coup, Apollyon, j'ai dû avoir Eden's Blessing lors de la dernière partie et j'ai commencé avec un HP up, pourquoi pas. Apollyon, c'est cool. Oh non, Hypocac, non, c'est chiant. Voilà, on prend quand même. Hypocac, ça peut être rigolo. C'est toujours bon. Dans l'esprit du plaisir. Oui, oui, bah oui. Oui, c'est pas mal, Hypocac. Je suis d'accord avec vous. Ah, si j'ai toujours dans l'esprit du plaisir, bien sûr. Toujours dans l'esprit de Jojo Bizarre Adventure. Comment vas-tu? Elle ou la salle Salt Scrooge? Ok, on va. J'espère que ce sera une bonne partie. Bon, on verra. On verra au pire. On est juste là pour le plaisir. Après, si on prend pas de plaisir, c'est vrai que ça serait chiant. Moi, j'y crois au plaisir. Pardon? Bah, j'ai envie de dire... Je gagne énormément. Voilà. Voilà. Déjà. 15. Le mec m'a lâché 15 boules. Je lui ai rien demandé, il m'a lâché 15 boules. C'est beau. Y'a pas eu la salle super secrète? Bah, y'en a alors. Voilà. Ah. Ah, mais quoi que, en vrai, ça peut être bien ça. Ça peut être bien, on va voir. Vraiment bof comme début, non? Ouais, franchement, pas ouf. J'hésite à reroll, mais bon. On va assumer la partie jusqu'au bout quand même. On va quand même assumer la partie jusqu'au bout parce que sinon ça serait triché. Mais... pas ouf. Là, il m'a quand même fallu au moins 5 tirs pour le tuer, donc je pense que... sensationnel. C'est chaud quand même. Merci beaucoup, Swear. Tu gagnes combien? Bah... Je gagne énormément, voilà. Mais je gagne vraiment beaucoup. Évidemment. Alors, Experimental Treatment, All Stats Up ou All Stats Up? Bah, All Stats Up alors. J'ai gagné en puissance, bon, ça change plus grand chose à ce stade, vous savez. Merci Soyeur en tout cas pour les 2 mois, et attention, c'est le train de la hype là actuellement, mais qu'est-ce que vous attendez? Le train de la hype, ça me fume, hein, vraiment. Je sais pas quoi, je vais pas vous refaire un discours, on a déjà eu un il y a 2 jours, le discours présidentiel, donc je vais pas vous redemander de sub en masse pour me faire gagner énormément d'argent. Ah, c'est ce que je cherchais. Mais bon, si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Ah, tout ça pour ça, j'avoue, j'ai un peu le seum. Bah du coup, salut. Ah bah non, je voulais justement qu'on s'emmerde. Parce que c'est important de s'emmerder, je vous le rappelle. Le jeu nous a offert l'opportunité de nous faire chier. Autant y aller. Ah. On va aller chercher les cœurs. On va faire ça jusqu'à avoir quelque chose de bien. Sachant qu'on n'est pas sûr d'avoir quelque chose de bien. Mais on peut être téléporté à l'Angel Room, je crois. Yes. Il faut absolument que je lâche. Par contre, c'est moi ou mes dégâts ont été multipliés par 2 quasiment. Il faut absolument que je lâche le Cracked Dice, hein, parce que j'étais à ça d'avoir le descend. Parce qu'en fait, le Cracked Dice, ce qui se passe, c'est à chaque fois qu'on se prend un dégât, on a un effet random de dé. Et je pense que j'ai dû avoir l'effet... j'ai dû avoir l'effet du dé... du D4. D4, c'est ça? Ou D8, qui a reroll mes stats. Et du coup, ouais! Bah, il a reroll mes stats, hein, et effectivement, il a reroll mon attaque. Je vous avoue que j'ai pas compris. Pas trop compris. Je vais juste me redonner mon cœur maintenant, parce que on sait jamais. Il faut être prudent quand même, parce que ce serait con de mourir là tout de suite maintenant. Pas vous mentir que pas trop envie que ça arrive. Alors. Et voilà ce qu'on cherche dans la vie.
Le Stiapour. Allez. Oh. Ce début de run. Ce début de run. Il est là. Il est au-dessus de tout. Il manquait plus que me donner une clé qui est le Steam Sale dans le magasin et puis on y était quoi. Oh, on voyage, hein. On voyage. C'est beau. C'est pas trop mal comme début, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Mais ouais, ça me semble assez correct. Là, je pourrais partir en speedrun, hein, mais j'ai pas envie. On n'est pas là, hein. On n'est pas là pour s'amuser. Je vous rappelle. On est là pour se mettre à l'aise avant tout. Donnez-moi mon argent. Les gars, le train de l'hype là, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Insupportable. Bon, ça me semble effectivement pas mal. Ok. Il manque plus qu'un tier up et on est bien. Hein. Quoi encore? Attends, et il y a un rocher supermarqué juste à côté que je ne l'avais pas vu. Mais c'est quelle vie? Tout se passe beaucoup trop bien. Je vais me prendre un retour de. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment parce que je suis gentil, quoi. Regardez-moi juste ce début de run, ça n'a aucun sens. On commence avec Ipecac, ensuite The Mind, 20 sur 20, et on a eu un reroll de stats qui fait que j'ai 70 d'attaque. Ouais! Ah bah oui, bah Lit Pencil pendant qu'on. Bah oui! Super Mario! C'est décidément trop d'émotions. Bah, c'est trop d'émotions, bah oui, Doctel, oui. Oui, bah oui, complètement. Merci beaucoup, Doctel, qui vient d'offrir 5 abonnements. Oh là, mais quel honte. Ah, j'ai hâte de gerber 75 larmes. Hein. Ah, ça va être du sport. Cette partie, on va avoir du mal à la perdre, je pense. Ça va être le défi de la partie. Essayer de ne pas gagner. On avait dit chill. Ah bah moi, je chill, là. Hein. Moi je chill, moi j'ai rien forcé, je chill. Merde. Moi actuellement je chill bien. Oh, imaginez ça sur un boss. Remote Little Error. J'ai plus de clé. Voilà, merci. Ok, bah on y va. Hein. C'est pas mal tout ça. Quelle indignité, mais non. Comment ça? C'est que de la jalousie. Voilà, de la lock-up. Enfin les locks. Cette partie manquait un peu de lock. Je sais pas ce que vous en pensez. Prochaine étape, je lâche Shallow. Ouais, oh, ouais, pourquoi pas. En vrai. Oh non! Ah, attention aux accidents quand même. Non, moi, il me manque. Vous savez que ce qui me manque, c'est Pyromaniac. Mais vous inquiétez pas. En vrai, je peux m'auto-tuer à tout moment. Hein. Faut quand même faire attention. Larigereux. Bon, alors, Larigereux. Bon. Ouais, bah oui. Oui, bah oui. Oui, bah oui, t'aimes pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, ça fait mal. Ok. Sensationnel. Oh là là. Merci Alvin D pour le Touch Prime. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait, je veux dire, enfin, je... Oui, d'accord, j'allais pas très bien il y a quelques temps, mais est-ce qu'on était vraiment obligé de m'accueillir à ce point-là? Je sais que j'allais pas très bien, mais, enfin, voilà. Pas non plus avoir pitié de moi. Bah oui, mais oui.
Oui, je prends les deux. Bah non, mais c'est du bonheur, ou là, il faut le dire. Bon, maintenant, il faut que je sois prudent. Parce que j'ai quand même pas énormément de vie. Faut être prudent dans la vie. En tout cas, c'est beau, hein. C'est, j'admets que... Ouais, ouais, je passe un bon moment. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. On passe un bon moment, là. Enfin... Vous disiez qu'on était chill. Bah là, on est chill, hein. Ah, et puis lui, il va tout démonter. Lui, regardez-lui, il touche un ennemi. Il est mort, l'ennemi. Bah oui. Bien sûr qu'il est mort. Son aura, elle fait 70 data, elle fait 70 de damage, son aura. Putain, c'est n'importe quoi, hein. Cette partie, c'est n'importe quoi. J'ai rarement eu un début aussi puissant de ma vie, je crois. Je n'ai rien à faire, tout le monde meurt, c'est tout. Alors attention. On serait tenté de dire oui. On serait tenté de dire que c'est bien, sauf que non. Ça, c'est non. Attention. Parce que si on prend ça, on est dans la merde. J'attends... Attendez, vous inquiétez pas, on va tout de suite trouver... Ah merde, j'ai plus le... Oui. On va tout de suite trouver le quoi... S'il y avait Pyromaniac, ce serait bien. Non, on n'a pas Pyromaniac. Il me faut Pyromaniac ou Host-Hat. Si on a ça, c'est bon. Durrazor. En vrai... Pourquoi pas tout le raisin. Il y a une batterie en plus. Moi juste ça se fait. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais sur quoi je peux tomber après qui ferait que ce serait bien de me faire toucher par... par ça. je sais pas exactement quoi faire du coup. J'hésite. Ça n'a aucun sens. Hein. Cette run n'a vraiment aucun sens. C'est la gratuité totale. De le rasoir, ça combo avec ce qu'il y a plus là? Je crois pas, non. Oh là, mais quel plaisir. C'est juste du plaisir, ça n'a aucun sens. Ok. Ah, le train de la hype qui est arrivé à bon port. Merci pour les quelques subs qui ont été offerts, merci beaucoup. Des bisous. Ah, une petite batterie. Alors, ça. Toujours dans l'esprit. Vous avez vu les dégâts juste de Succubus? Juste les dégâts de Succubus en fait! Oh, et du tier up encore, oh là là. Oh ouais, ouais, mais régale-moi, arrose-moi. Est-ce qu'on a eu un mauvais objet? Juste un. Un seul. Merci le rhododendron. Merci, grâce à toi je passe une bonne soirée. Bah merci beaucoup. Des bisous, j'espère que ça va continuer. Putain, mais il se passe quoi ce soir en fait? Ah du coup, j'ai envie, juste pour le mimes, de le prendre, mais non. Non, ce serait trop dangereux. Ce serait trop dangereux de le prendre. Je vais juste le sac. Si je le prends, je meurs. Hein. Mais en même temps, c'est tellement drôle. Hein. On n'est pas là pour gagner. On est là pour s'amuser. Puis peut-être que si je le prends, du coup, le host hat va arriver. De toute façon, si jamais j'ai pas envie de tirer, je tire pas. Bah oui, je suis pas obligé de tirer. Voilà, monsieur. Personne ne m'oblige à tirer. Par contre, je vois bien des clés, s'il vous plaît. Personne ne m'oblige à tirer. Je vais réussir, hein. Putain, elle va pas venir. Ah, les voilà. Cette partie est juste incroyable, hein. Y'a juste... Juste... Je vous... Ah! Attention.
Je montre, hein. Je montre vite fait, mais regardez, là, parce que c'est vrai que le chat nous empêche de le voir, mais juste... Regardez, juste les objets de base. On a commencé avec Hypercac. Ensuite, on a eu... vous voyez pas, si. On a eu The Mind, 20 sur 20. Le Pencil. Ensuite, Succubus. Succubus et Incubus avec, avec deux Tears Up. Encore du Debate Drop et Cricket's Body. Ça n'a juste aucun sens. Y a aucun moment où le jeu m'a dit, tiens, un piège. Non. Si, il m'a dit Cricket's Body. Mais même Cricket's Body n'est pas un piège, là, actuellement. Parce que Cricket's Body, je l'utilise que si j'ai envie. Je suis pas obligé de l'utiliser, en soi. On est bien. On est juste bien. Scapular aussi. Scapular qui, effectivement, peut me sauver la vie, d'ailleurs. Scapular peut totalement me sauver la vie. Ah, d'accord. J'ai pas prévu, ça. D'ailleurs, si jamais je... Il faut vraiment pas que je gagne de la range, par contre. Gagner de la range serait catastrophique. Il faut vraiment pas que je gagne de la range. Très bien. Est-ce qu'on a besoin d'aller dans les autres salles? Pas sûr. Attention, attention. Je vous laisse mourir. pardon, oui. Alors, en vrai, je vais farmer un petit peu pour d'éventuels cœurs bleus. Alors, Suicide King, non. C'est gentil, hein, mais... Ah, enfin. Cricket 7 d'Arid. En vrai, c'est vrai que, putain, si on a Magic Mushroom ou Cricket 7, ça n'a plus aucun sens. Hein. Ok, les coffres qui sont gratuits, à vie. Je vais garder un peu d'argent, par contre. Ok, ça commence une vol. Tiens. Bon bah c'était pas ouf. On reprend un petit peu de money et on s'en va quoi. Bon plus qu'Epic Fetus. Bon Epic Fetus là non, ce serait moins drôle avec Epic Fetus je pense. Là en vrai, je suis curieux de voir ce qui pourrait encore être fun. Parce que là, on est juste débilement trop puissant. Hein. On est vraiment débilement trop puissant. Je ne fais rien, les ennemis meurent dans l'aura de mon succubus. Enfin, vraiment, je reste là. Je reste là, je sais que les fantômes ne vont rien pouvoir me faire. C'est abusé. Oh là là. Au revoir. Au revoir, Yves, à tout à l'heure. Oui. Voilà, ça n'a juste aucun sens. On s'amuse plus. Voilà, bon là je reste là. Je reste là, j'ai gagné! Rien! Y'a rien à faire! La win est automatique! Imaginez juste si j'ai Cricket Z! Mon succubus sera encore deux fois plus puissant. Je peux avoir BFF aussi! Si j'ai BFF, c'est. Il est deux fois plus fort! Regarde! Deux secondes! Il a tenu. Deux secondes, à peine! Oui, mais pourquoi pas, je m'en bats les couilles, frère. Je prends le HP up pour le divulgir. Ouais. Imaginez juste, on a BFF. Imagine quand même. Je me suis fait toucher une fois dans ma vie. Au revoir. Encore du Tears Up. Est-ce que j'ai vraiment besoin de Tears Up maintenant? Bon après le Soul Heart on le prend. Puis sait-on jamais, si on arrive à avoir un truc qui me rend insensible à mes propres bombes, ça peut être pas mal quand même. On n'a pas eu de Devil Deal, c'est un peu un scandale hein, quand même. Un peu un scandale, je trouve. Bon alors clairement on va aller chercher le magasin. J'attends juste une chose, c'est BFF hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si on a BFF, Succubus prend 90% de la salle dès qu'on entre. Du coup, il va faire 200 de dégâts directement à tous ceux qui sont dans la salle.
Voilà. Je suis tellement fort que je les tue même sans qu'ils puissent prendre de dégâts. Oh putain, on a même de quoi farmer ce Cubus là. Incroyable. Parce qu'on joue tous les messages du chat en double. C'est pas grave ça. Ok. Oh là, on a de quoi farmer sévère. Toujours dans l'esprit du plaisir. Bonjour BFF. Merci Yo. Merci Yo. Merci beaucoup. Non, j'ai pas besoin du school bag. Chaos, c'est un petit peu tard. Chaos, c'est un petit peu tardif et surtout que ça me baisserait mes chances d'avoir BFF. Absolument. Voilà, c'est fini. C'est, à partir de maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Rien ne peut me stopper. Il n'y a rien qui va me stopper. Vous voyez pourquoi j'ai pas pris Chaos? Si j'avais pris Chaos, je ne l'aurais pas eu. À partir de maintenant, si Chaos veut revenir, c'est quand il veut. Je m'en fous. Ou la stopwatch au bout d'un moment, non. J'ai un honneur quand même. J'ai un honneur. En vrai, mon Spurs. Allez, je prends mon spur, c'est le cœur et je me casse. J'ai un honneur. La stopwatch au bout d'un moment, on peut rater. C'est déjà assez scandaleux comme ça. Moi, la stopwatch, je m'amuse vraiment pas avec la stopwatch. Mais imagine quand même, il a dit ah boy. Je disais pas ça pour déconner, moi. Et là, Magic Mushroom. Ah bah oui, parce que aussi, mon incubus est plus fort. Bah oui! Bien sûr. Putain. Imaginez-vous que là, les larmes de mon incubus font 220 dégâts. Oh là là. Mais oui, mais on prend un cœur gratuit aussi pendant qu'on est... Allons-y, allons-y, oui. Allons-y. Atomise. On atomise ce qui se passe là actuellement. Oh, il y a un objet quand même, on va aller le prendre. Ce serait vraiment pas sympa. On peut peut-être améliorer notre stuff. Là, mais à partir de maintenant, regardez, vraiment, il atomise tout ce qui passe sur son passage. Il n'y a rien. Rien ne peut m'arriver. Là, j'attends là, tranquillement, et c'est fini. Voilà, il fait 50% de la salle. Il fait 50% de la salle. Or, une bague, sait-on jamais si on arrive à avoir un Gera pour le chest. Pourquoi pas? Peut être bien. Là, vraiment, il manque que des options défensives, à la limite. Après, un petit cricket set ou un petit... Tiens, d'ailleurs, on va aller là-dedans, histoire de voir s'il y a des coffres. Sait-on jamais, parce qu'un cricket set, ce serait scandaleux, certes, mais tellement drôle. Oula. Oula, là, on me donne des opportunités, hein. Attention. Et les opportunités de l'avoir. Attention. Et non, hélas. Oh, c'est dégueulasse. Rien ne peut me stopper. Rien. Ah bah, Gera, tiens, on en parlait. On en parlait de Gera. Quand je faisais 10 volts, j'ai combien d'attaques en plus? Oh la vache. Ah non, c'est pas si fort. C'est parce qu'il y avait ce Cubus qui arrive en même temps, ok. Non, Gera, c'est bien. On est pas mal. Ah, pardon. J'avais pas vu qu'il y a un ennemi. Oh, c'est scandaleux que j'ai eu besoin de tirer dans cette salle. Au revoir. Au revoir à tous. Toujours pas. Moi j'attends. J'attends patiemment. J'ai de la patience. J'aurais pu effectivement essayer de farmer un petit objet chez ce cher petit mendiant, mais bras les couilles. Rien ne peut le stopper, il est invisible. Ah non, pas invisible, invincible, attention. Faut pas se tromper. En vrai, je pourrais presque hein, essayer de farmer un petit peu les clés, mais bon. Voilà. Il va rien me donner. Hein. Il va rien me donner, voilà. Je le connais. Je connais ces spots qui grattent toujours 5€ pour un kebab et qui ne le rembourse jamais. Tiens, tu m'as droppé une bombe, tiens, c'est pour toi.
Tant pis, c'était vraiment pas worth, mais bon. Les coffres ne coûtent rien, donc ça va. Non, je vais rester passif. Quoi ? Ah d'accord. Ok, bah je reste plus passif. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal à mon tour de te faire mal. Ah non, alors le range up, on a dit non. Pire idée, le range up. Black Powder éclaté au sol. Le range up, on le mange. Quoi ? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Je sais pourquoi j'ai eu mal encore. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ça va. Ouais, non, le range up, on veut pas parce que si j'ai du range up, en fait, mes tirs vont se split encore plus loin. Et là, par contre, je risque de me prendre le retour de la médaille. Le retour du Jedi, comme on dit. Et pourtant, on est lundi. On est lundi, pas Jedi. J'adore cette blague, c'est vraiment la plus drôle de France, je crois. On est bien. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On est dans une partie. Petite partie équilibrée. Petite partie équilibrée, tout se passe plutôt bien. On a commencé avec Hypocac. Ensuite, on a eu 20 sur 20. Ensuite, on a eu Moult Tears Up. Ensuite, on a eu Incubus et Succubus dans le même Devil Deal. Le premier, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Puis bon, bah voilà, quoi. Je pense qu'on voit à peu près ce qui se passe. Ah oui, on a eu un reroll de stats aléatoire à cause du Cracked Dice qui a doublé mon attaque. Pour une raison qu'on ignore encore, mais qui fait toujours plaisir. Bah tiens, mais il est là. C'était le... On a eu le D8, c'est ça. Du coup, c'est ça qu'on a eu tout à l'heure. Ça a affecté nos stats. Au hasard. D'habitude, j'utilise même pas de Cracked Dice, c'est juste que je l'ai gardé sans faire exprès. Et à cause du hasard, à cause des garçons, ça s'est fait, hein, finalement. Hop là. Pardon. Excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait un boss ici. Bon, le quarter, on peut l'aspirer. Ah bah, je peux pas. Oui, bah, forcément. Bon, on va aller voir le magasin, alors, en ce cas-là. On a le temps. On voit pas pourquoi personne n'aime le mendiant des clés, il donne masque quand tu le bourres. Oui, mais encore faut-il pouvoir le bourrer. C'est juste que c'est très rare de pouvoir vraiment le bourrer, mais oui, quand on peut le bourrer, en soi, il est bien. Hein. Mais là, j'ai pas non plus masse clé, j'en garde quand même certaines au cas où je dois me débarrasser sans le faire exprès de mon trinket. Pardon, je vais pas laisser vous exprimer les monstres, c'est pas grave. Big fan, je suis pas un grand fan de cet objet. Après, en vrai, il est BFF. Donc il va prendre une... Ouais, bah oui, il va bloquer, à mon avis, pas mal de tirs. On est là. On est complètement là, on est in the place. J'en reviens toujours pas de ce stuff. Hein. Et on n'a pas encore eu de damage multiplier. Hein, si on trouve Magic Mushroom ou Cricket Set, c'est fini, hein. Même Eve Mascara, là. Eve Mascara, c'est le Saint Graal aussi, là, actuellement. Eve Mascara is the Saint Graal. Ce qui ne veut absolument rien dire, d'ailleurs. Je vais faire un truc, Tiens, je vais bourrer la machine de long, tiens. Un truc que je fais jamais. Encore une fois, pas accepter mon argent. N'oubliez pas de faire des dons aussi, c'est important. Vous pouvez faire des dons directement en cliquant sur la tête de Maître Mandiste dans la description. Oh, elle a accepté mon argent. Fou. Quelle histoire. J'espère que la partie est emplie de bonne humeur. Oui. Pas que de bonne humeur, d'ailleurs. Il y a aussi de bons objets. Beaucoup de bonnes choses dans cette partie, j'ai l'impression, quand même. On est plutôt sur un ratio agréable-désagréable de l'ordre de 100 à 0. Ah, j'ai gagné en portée, merde. Bon, pas énormément, cela dit. Bon, ça va, c'est presque... presque pas existant, quoi. Donc ça va. Ils ont qui ? Elle est remplie de honte. Non, ça c'est vous. C'est vous qui avez honte parce que vous vous rendez compte que vous ne savez pas jouer. Oh non, la partie est grande, je vais devoir utiliser mes larmes. Bon, pas sûr en fait. Pas sûr. Oh là là. Quelle violence. C'est bon ? Ok. Attention, le pied de maman. C'était le pied de maman. Voilà. C'est le pied de maman, j'espère que vous avez apprécié... Bah si, on va aller quand même à haute chest, hein. On se respecte. En roue libre ce soir, le stuff en roue libre, moi ça va encore, pour ce soir ça va. Mais après ça peut, à tout moment ça peut changer bien sûr. J'ai besoin de rien. Besoin de rien faire en fait.
besoin de rien faire et tout se déroule automatiquement, quoi. Ah, ça va pas marcher ici par contre. Ah, ici d'ailleurs c'est même plutôt dangereux. Bon, en fait ça va. En fait ça va, hein. le spread des larmes est pas si ouf que ça, donc c'est pas si dangereux. Hein. En vrai, si je tire bien, je peux te sec. Je me suis quasiment pas fait toucher, hein, quand même. C'est parce que je tire pas beaucoup aussi. Hop, 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 viens là toi. Voilà. Dégaze, ah oui. Dégaze. Dégaze. Besoin de rien, envie d'un toit. C'est bon, tu l'as trouvé. Tu l'as trouvé ton appart. Ah! Je me suis fait eu. Je suis ma propre arme. Oh la matriarche, non! Ah merde! Je me suis fait eu encore. Ah ça va. Un run-jump et la cup, non, j'en veux pas. Ça, on apprécie. Bah du coup, ouais, on reste là. Hein. On n'a pas besoin de l'aspirer, finalement. Et du coup, c'est bien, là, je suis full cœur gris. Full cœur gris, et dès que j'utiliserai mon The Void, je gagnerai un cœur gris. Donc on est bien. C'est qui le boss? Pas eu le temps de voir. Pardon. Pas eu le temps de voir, je me concentre. Faut se concentrer. Manque juste une immunité aux explosions. Ouais, finalement, c'est ce qui fait un petit peu le piment de cette run. On sait qu'on n'est pas totalement invincible. Mais bon, si on veut, voilà quoi. Quand on veut, on peut, quoi. Allez, encore toi, vas-y. Je te donne 5 clés. Connard. Mais j'ai pas besoin d'argent, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Popé, papa, popo. Ah. C'est vrai qu'on manque un peu de guppy. Hein. Bon, tu vois ce que là. Manque un peu de guppy cette run. Hein. Oui. Thanos, c'est que si j'aime aussi, il est pas totalement invincible. C'est vrai. Dit comme ça. Dit comme ça, on comprend mieux. On va voir qu'il était vraiment très fort hein, quand même. Il a survécu. C'est qui était vraiment très très fort. Oh! Il a repoussé! Oh, les ennemis commencent à être coriaces. Regardez comme ils résistent maintenant. Oh, je sens la difficulté monter. Oh, même pas Magic Mushroom. Je suis dégoûté. Allez, un petit Berkano là. On va avoir des mouches et des araignées sous stéroïdes. Hein. Là, clairement, tu te fais piquer par ça, tu deviens pas Spider-Man. Hein. C'est elle qui devient Araignée-Man. Elle devient Homme-Spider, du coup. Elle devient pas Spider-Man, mais elle devient Man-Spider. Parce qu'elle te suce tout ton sang. Attention, je suis mon seul ennemi. Bonjour à tous. Mais comment le jeu, pendant quelques frames, il a pas compris, il a fait, attends, le boss, il est déjà mort? On va voir. Tout va bien. Tout va très bien. J'utilise un peu mes larmes, histoire de vous remémorer de temps en temps un petit peu le stuff, quand même. Histoire que vous soyez pas totalement surpris à chaque fois que je vais tirer. Ça peut déconcerter, quand même. Je peux comprendre. Je reste là. Je suis pacifique. Je sais pas si on peut vraiment dire que je suis pacifique, mais je suis pacifique. Faites pas confiance. Ouais, petit small rock là, c'est très bien. Ah. Là, je me gratte les... C'est dur, hein. Allô? Oui. Attends, je suis en pleine partie de Isaac là. Bah oui, tu me déranges.
Bah c'est à dire qu'en fait là je... Si tu veux, The Binding of Isaac c'est un jeu vidéo où tu vois tu dois quand même esquiver les tirs des ennemis, tu dois leur faire des dégâts et tout. Et c'est pas facile hein. Ouais c'est pas... Je t'expliquerai un jour je te montrerai, ok. Mais là je peux vraiment pas te parler. Oui oui. D'accord, oui, pardon. Il a raccroché, je sais même pas qui c'est. Je crois qu'il était dans ma tête. Du coup, It Lives. D'accord. Je crois que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a ici? Oula, Ah bah non, pas faire ça. Bah Guppy, à ce stade du jeu. Pourquoi faire? On l'aura jamais. Donc autant le prendre. Ok. Bah je pense qu'on a... Ah bah non, mais je vais aller récupérer quelques cœurs. C'est vrai que j'en ai laissé sur le chemin quand même. Oh. Mais pas les animaux. Alors. J'ai un problème avec là où il est placé. Merci, c'est un petit peu plus rassurant. Me restait pas les cœurs là-bas? Non. Bon. Bah j'en ai eu un. C'est déjà pas mal, non? Un. Je viens de venir, il est pété j'imagine? Non. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. Est-ce que j'ai l'air pété là? Ça va? Franchement, ça va. Ça va, oh. Vous êtes jamais content. J'ai un stop de merde, vous vous ennuyez. J'ai un stop bien, vous vous ennuyez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut que je joue ou l'enjoins? Head of the Keeper! Ah non, ça m'en fout. Head of the Keeper. Pardon, excusez-moi. Je reste là, je me protège. Je reste là. Je suis pacifique. En fait, non. Flamme. Ok, j'ai un Gera, ça peut être bien. Mais peut être bon à savoir, ça. Il a un stuff fin de game au floor 1. C'est vrai. Oui, non, mais on peut le dire. Moi, j'accepte ce genre de remarques. Bah, vous avez vu quand même. Le boss, il est pas mort instantanément. À partir de là, je considère que je suis pas pété. À partir du moment où on a le temps de voir le sprite de l'ennemi qui est sur le terrain, pour moi, c'est que c'est pas encore gagné. Il y a encore un suspense. On a encore eu le temps d'identifier l'ennemi, donc c'est pas encore totalement ça. On n'est pas loin. On n'est pas loin de l'objectif final, mais non, je suis pas encore satisfait pleinement. Il y a encore des efforts, quoi. Encore des efforts à fournir. Une Black Rune, très bien. Ah voilà, vous voyez, lui par exemple, il est pas mort instantanément. Pour moi, c'est un scandale. Yes. Oh mais non, mais si on a les ennemis les plus sérieux. Voilà. Il faut s'en débarrasser. Juste 100 de dégâts. Non, pas juste 100 de dégâts, plus que ça. C'est-à-dire j'ai 115 de dégâts, mais c'est du IPCAC. Et en plus, voilà. Avec 20 sur 20, et avec Cricket's Body, et avec Incubus, qui est BFF, donc qui a le double de dégâts, lui-même sur ses larmes, tandis que Succubus, lui, se balade avec 115 x 2, donc 230 de dégâts, qui fait aux ennemis, quoi. Qui one-shot quasiment tout le monde, ou tout shot. Sensationnel. On est en endgame, mais voilà. Il est là. Il est là. Il est complètement présent. Je vais quand même perdre 2 points de vie pour aller là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai pas une pilule de... Tiens, invincibilité là, sérieux. Ah. Ça me plaît pas trop ça. The world is death. Ah bah yes. Ça valait le coup ça. J'ai vraiment perdu 2 points de vie pour rien. Ok. Je savais qu'il fallait pas que je le fasse. Merci si tu l'as eu sur le Twitch Prime, pardon. Excusez-moi. Je suis là. C'est parti. On accélère un petit peu le processus si vous voulez. Je veux pas attendre que Succubus fasse tout le travail tout le temps aussi. Voilà. Attention. La super secret, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mais toujours cette salle avec des cœurs, là, je m'en fous de tes cœurs, j'en ai pas. Bon, qu'est-ce que je fais? Je l'attaque ou je l'attaque pas? Bah, je l'attaque.
dire que le jeu m'a donné une réponse de lui-même. Au secours. Je commence un petit peu à douter. Je commence à douter. Je suis de retour et toujours outré. Comment ça? Alors, Gérard, bien sûr. Et c'est maintenant que la magie opère. Total Brimstone, c'est non. Ça, c'est non. Qu'est-ce que je vous dis? À partir de ce moment-là... J'ai plus peur de rien. J'ai plus peur de... Ouais. C'est pas mal du tout. Bon, je lâche Shadow, bon. Oh! Pardon, c'était un petit peu jouissif quand même. Juste, on reste comme ça, regardez, juste les dégâts. Rien que sur ces boss qui ont beaucoup de vie, hein, de manière générale. Attends, il a survécu? Comment ça se fait? Ça n'a aucun sens. Par contre, je veux bien un objet à aspirer, parce que là, il n'y a rien à aspirer. Je veux pas aspirer ces objets-là. Ce serait une mauvaise chose de les aspirer. Pardon, excusez-moi. Mais là, du coup, j'ai peur de rien, quoi. J'ai peur de rien, I fear nothing. Mais oui, bah, si tu veux. Voilà. Voilà, là, on est dans le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure. Si on a presque plus le temps d'identifier le boss, c'est que ça va. C'est que ça se passe mieux. L'alarme est sortie de mon écran, elle a tout pété chez moi. Désolé, c'est des effets secondaires. C'est des effets secondaires de la run, j'y peux rien. Perseron, voilà, là on parle. Là on a les bonnes runes qui font plaisir. Alors, on veut pas de tout ça, hein. De la merde. Perseron. What? Et vous savez ce qui serait drôle, c'est que je fasse ça. Alors, on a à nouveau de quoi s'amuser, enfin. Bon, Death Tooth, on peut le prendre. C'est plutôt sympathique, effectivement. Voilà. Oui, monsieur. Oui, on peut le dire. C'est plutôt sympa. Palayo. Oui, bon, ça c'est... Voilà. Maintenant la question c'est où est Dédé? Regardez, je me fais toucher. Ah non, je peux même pas. J'ai pas le droit au plaisir charnel. Parce que... Ah non, je veux pas de ça. Je ne mange pas de ce pain. Je mange pas de ces demi-cœurs blancs là. Alors... Comment... De quelle manière inventive puis-je battre Blue Baby? Je suis en train de me poser la question. Non, je peux pas Forget Me Not en boucle, hein, ça marche pas. Je peux pas, hein, enfin, je pense pas. Attendez, vous me mettez le doute. Oui, voilà, ça marche qu'une seule fois Forget Me Now. Hein. Ça marche qu'une seule fois. Ouais, je vais y réfléchir, on a le temps, on est entre nous, on est relax. Comment je pourrais faire? J'en ai un, je réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Moi je réfléchis juste. Comment je pourrais faire?
je réfléchis, hein. Faut que je réfléchisse. Faut que je trouve un moyen de battre Blue Baby efficacement. Je vais boire un coup encore. Vous avez Est-ce que vous avez une idée? Je vais lire le chat, hein. Bonne chance, en tout cas, il y a encore un risque de mourir. Bah ouais. Tu Uber Eats quand t'es à Blue Baby? Je sais pas si j'aurai le temps d'Uber Eats, hein. Boss Brain, non, pas besoin de ça. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné en tout cas. Ouais, je sais pas. Il y avait une mouche. Blanc rune, random rune effect. Ah, perso, c'est un peu con de leur utiliser. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas. Hein. Part en rentrant dans la salle. Hein. Comment ça part? Je peux pas partir. On va. Non, mais je vais. Je vais réfléchir à comment je peux faire ça. Ah, j'ai pas été là. Ah, il est pas encore mort. Hein. Quand même. Bon. Ça peut pas non plus être très long, mais... Gobot Blue Baby en réfléchissant à comment le battre d'une manière originale. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Je sais pas. Je réfléchis. Je vais essayer de le battre... Comment est-ce que je pourrais? Bon, on dit que je me mets là. Et attends, je vais... Putain, c'est dommage que je l'ai pas installé sur le... Bon, tant pis. Bon. C'était le meilleur moyen, c'est d'y aller et de voir ce qui se passe. Attendez. J'ai fait tomber un truc. C'est bon. C'était un bout de bois. C'était quand même important, il faut que je le ramasse. Ok, alors, Blue Baby. Ok, bah merci. Salut YouTube. Salut YouTube, hein. Salut YouTube, passe une bonne journée. Quelle vie, hein, cette partie. C'était incroyable. Quelle vie.